Alors, je vais vous parler d'un recueil de nouvelles qui s'appelle Un membre permanent de la famille, qui est un recueil de l'américain Russell Banks, qui est sorti il y a un an et qui est un recueil que j'ai beaucoup aimé. Alors, pourquoi j'ai aimé ce recueil? Parce que c'est à l'américaine, c'est-à-dire que c'est coup de poing, c'est vraiment coup de poing. Et notamment, il y a une nouvelle qui m'a vraiment marqué. Je vais vous parler un peu de cette nouvelle en particulier. C'est une dame qui va acheter une voiture d'occasion dans un magasin de voitures d'occasion aux États-Unis. Et cette dame, en fait, arrive presque à la fermeture du magasin. Et elle est en train de voir les voitures d'occasion dans le parking derrière le magasin quand le magasin ferme. Et les gens ne sont pas aperçus que cette dame était encore dans le parking. Donc, cette dame se retrouve toute seule dans le magasin après la fermeture. Et il y a un chien qui est lâché. Il y a un chien, un bulldog, qui est lâché le soir dans le magasin. Et cette pauvre dame va se retrouver face à face avec le chien. Et donc elle va grimper sur une voiture pour se protéger du chien. Et donc comme ça, elle va passer la nuit dans le parking en sautant de toit de voiture à toit de voiture. Et il y a une tension extraordinaire. Je ne vous raconterai pas la fin de la nouvelle. Mais voilà, c'est cet exemple de nouvelle de Russell Banks. Bon, je pourrais vous parler aussi un petit peu de la première, qui est une histoire d'un chien, aussi un autre chien. C'est un couple qui divorce et qui va avoir la garde du chien. Voilà. Bon, je n'en dirai pas plus, mais voilà. Donc, un membre permanent de la famille de Russell Banks et c'est paru chez Actes Sud. Et il y a une belle photo de chien en couverture. À l'américaine, punchy.